Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends. Comme vous le voyez, pourquoi aujourd'hui j'ai Mario Sunshine sur mon ordinateur iMac Apple. Pourquoi j'ai ça? J'ai installé un simulateur si on pourrait l'appeler, mais aujourd'hui c'est le simulateur de GameCube pour ordinateur Apple et aussi disponible pour PC. Pour ça, l'instruction de l'installation se passera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier test du émulateur de GameCube sur ordinateur Mac et vous pouvez faire la même chose comme je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes de ça sur PC Windows. Mais aujourd'hui, c'est le premier test. Nous allons parler comment jouer, comment avancer un petit peu. On va pas trop en dire, on va en laisser plus pour la prochaine vidéo qui va être l'installation. Il va y avoir une autre vidéo à part de l'installation, comment installer un jeu pour l'émulateur de ces GameCube à la base. Même moi, j'ai une GameCube de côté, je m'en sers pas du tout. J'ai choisi de vous présenter ça aujourd'hui, mais je vais me déplacer avec mon clavier d'ordinateur. Et puis encore une fois, on peut aussi, je dis bien, avoir une manette à part ça pour jouer avec l'ordinateur pour se guider. Mais encore une fois, on peut faire tout et n'importe quoi comme avec la GameCube. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Hop là, on va rester comme ça. On va faire attention quand même de pas tomber dans le piège et surtout de ne pas s'amuser à tomber dans la lave. Et là on va perdre, si pas tout de suite, mais faire attention quand même. Ok, pour ceci, hop là, je fais bien attention, je dois y aller, hop là, je dois aller vers le fond. Comme vous le savez, c'est pas maniable, la qualité d'image elle est pas géniale comme on pourrait l'avoir sur une télévision, mais c'est vraiment super pour tout ça. On va faire comme ça pour voir ce qu'il va me dire. Ta, 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 ta. Comme vous le savez, moi déjà, j'ai déjà fini ce jeu. À la fin du monde, on arrive dans une grotte. En fait, c'est pour aller combattre le Bowser. Faudra monter des nuages. Il va y avoir des nuages, mais là, on est loin. Nous sommes au début du jeu. Et pour ça, on va voir ce qu'on va voir. On va faire une bonne partie d'une vingtaine de minutes pour vous informer, pour avoir un maximum d'informations sur le jeu du premier test. Comme ça, vous verrez par vous-même de quoi ça concerne déjà la vidéo et comment jouer proprement. Et ça aussi, c'est encore quelque chose. Ok. Là, nous sommes au début du jeu sur l'île Delfino. L'avion a atterri il y a un petit moment de ça, mais j'ai commencé à lancer le jeu pour vous préserver les surprises de l'installation avant toute chose. Et on verra tout ça comme je l'ai expliqué pour l'installation, question de l'installation, dans la prochaine vidéo. Et puis maintenant, nous allons voir notre petit Mario ce qu'il va faire. Je connais pas encore tout spécialement le guidage pour bien gérer mon Mario pour se déplacer. Et puis là, il va venir se recharger les batteries d'eau pour faire son nettoyage sur les parts du parterre et les murs. Ok, pour ceci, ça on s'en fout. Non, je vais pas sauvegarder. Et puis maintenant, je suis enfin prêt. Ok. Ok, ça. Ça c'est pour. Voilà, ça je vais aller. Pour me remplir, je vais. C'est. Ça c'est pas ça. Non. R, A. X, non, c'est pas celui-là. Ça, ah oui, d'accord, on peut avec le C, on peut changer de fonction, comme vous le voyez. Avec le V, là, rien. Ça, là, rien. N, M, N. Le N, c'est pour tourner. Avec le L, on fait une direction de 360 degrés. Avec le K,
On agrandit plus loin, plus haut, plus haut. Et puis avec le K, J, c'est pour tourner. Pareil avec le J, le H, non, rien. Non, ça c'est pour aller voir la carte, là où nous sommes. Ok. Ça, avec le D, c'est pour sortir. Voilà, on va sortir. Le S, il n'y a rien avec le S. De même avec le Q. Avec le Z, c'est pour tirer l'eau. Hop là. Le E, il n'y a rien. Y, U, I. Ah ouais, avec le I, on se rapproche de Mario. Et voilà. Bon, le Z, c'est pour tirer de l'eau. Bon, on va se changer comme ça. Ok. Le X pour sauter. Voilà. Hop là. On va avancer tout doucement. Comme ça, on va. Ok. Comme vous le voyez ici, je me guide bien. Ok, et voilà maintenant. Le plus important, il nous parle de RR. Non, c'est le Z pour jeter de l'eau. Contrôle. Non. Là. Je vais avancer. Avec lui, c'est pour sauter. Moi, je veux le remonter, le petit tuyau. Habituellement, je sais pas si on peut. Mais là, on se retrouve un petit peu bloqué si on ne peut pas changer la donne de la direction en l'air, tout ça. Mais ça nous posera problème. R. Il nous parle de R. Z, R. Non, c'est pas ça. Bon. Off, M. Ouais, en fait, il faut déjà effacer les M. Qui est indiqué. Voilà, c'est bon. Ce qui est un petit peu dommage, c'est déjà le premier test. Je connais pas personnellement, on va dire, un bon guidage. Voilà. Hop là. Hop là. Là, j'appuie Z et X à la fois. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire là, ça va être de me remplir. Faut que je remplis d'eau. Pour me remplir d'eau, c'est le Z. Voilà, je vous indique un petit peu pour faire déjà la première partie du test ici. Et puis maintenant, nous allons partir vers le nettoyage. Comme vous le voyez en haut de l'écran, je vais vous faire montrer avec la flèche ici. Nous allons partir ici. X pour sauter. Ok, et puis maintenant c'est parti pour de bon. Hop là, nous allons pas. Hop là, mince. Ok, très bien maintenant. Comme vous le voyez ici, je suis rentré à. Dans le partiment, il faut que je m'amuse à nettoyer. Comme vous le voyez ici, je me déplace un petit peu de partout là. Ok, ça c'est bon. Ok, pour ceci. On va nettoyer tout ça proprement. Voilà, là le petit bonhomme, là on va le nettoyer aussi. Lui aussi il a besoin d'une petite douche.
On va se rapprocher. Voilà, on verra après maintenant. Maintenant, là, ici au milieu, il va y avoir une fleur. Et cette fleur-là, il faudra la détruire. Et derrière ça, il va y avoir un petit cadeau de remerciement. Voilà. Ah, encore une fois. Et hop là. Déjà là, maintenant, il faut que je m'amuse à... Avec le X, pour faut que je saute. Là, il part du mauvais côté, mon Mario. Et voilà, ça a été rapidement, rapide surtout, mais proprement à la fois. La manette, c'est plutôt agréable. Voilà notre petit soleil. On va prendre le soleil et puis partir après. Ça, c'est le premier niveau. Ok, X pour sauter. Et voilà, maintenant, je viens de recevoir mon petit soleil pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que ça va être? Formaté, non, ça ne nous intéresse pas plus. Bouton A, ils nous disent. Ouais, c'est X en fait à la base. Et encore une fois, notre Super Mario retrouve totalement sa famille. Et là, on va partir dans un autre monde merveilleux. Et puis, nous allons voir ce que nous allons voir maintenant. Et voilà, mon Mario est en cage, est en cabane, en prison. Mais on va aller le sauver. Ok, ça. On va attendre, on va laisser faire pendant quelques secondes. Et voilà, maintenant il nous faudra nettoyer cette place pour gagner peut-être un soleil ou bien des pièces, peu importe ce qu'ils vont nous proposer pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en direct, vous inquiétez pas, si je parle pas, je suis bien ici disponible. Voilà. À un moment ou l'autre, il faudra nettoyer le petit soleil ici, il faudra monter. Pour ça, il faudra... Déjà, ça va pas se faire un jour, il faudra attendre. Et puis, j'espère, s'il faut faire des tournages spécialement sur Super Mario, vous inquiétez pas, je le ferai avec grand plaisir. Avec cette fois-ci, la GameCube, c'est plutôt maniable que l'ordinateur. Mais moi, j'ai pas de manette aujourd'hui pour guider tout ça avec mon PC. Ça va poser un problème. Et puis on est là, on regarde tout ça, ce que ça donne. Bon, on va y aller tout doucement mais sûrement. C'est parti. Bon, il fait quoi? Ah oui, comme vous le voyez, c'est un petit peu long, je suis vraiment désolé, mais ça vaut le coup de voir notre Mario en grand nature surtout, et de voir tout ça. Et voilà notre soleil. Et bon. Voilà. Voilà, maintenant le soleil vient d'être nettoyé. Nous sommes toujours dans le jeu Super Mario Sunshine. Un magnifique jeu. Un jeu, ce qui est bien, n'a pas besoin de temps, surtout, de décompte. On peut prendre le temps qu'on veut. Et puis, c'est vraiment l'idéal pour l'utilisateur, le joueur même, de faire 40 fois, 50 fois le tour de l'île s'il a oublié quelque chose sans avoir de perte de temps pour jouer et de voir les recoins, de faire... Il y a aussi, je me rappelle bien, il y a des passages secrets à l'époque quand j'ai joué. Mais depuis le temps, ça fait un sacré moment. Le jeu a été sorti en 2002. Moi, j'ai joué à peu près, je crois bien, dans l'année 2005-2007. C'était pas au début que le jeu est sorti. Mais on a tellement perdu l'habitude de jouer à ces jeux-là. Et on s'est retourné plutôt vers question du foot, tout ça. Mais aujourd'hui, on est bien sûr le jeu à Super Mario pour... avancer
avec tout le monde. Ok. Et voilà. Maintenant, on va asperger tout ça. Fait, là, hop là, je vais. Faire attention, petit bonhomme. Hop là. Mince. Ah bah, je suis monté sur l'arbre. Eh bah, c'est bien. Hop là. Je vais monter sur celle-là. Ok. Pas aller plus loin. J pour tourner. Comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. On va arroser. On va se mettre plutôt sur l'autre feuille. Ici, pour se positionner proprement. Mince. Alors, les petits bonhommes là devant. Hop là. Aller trop loin dedans pour se faire manger, mais voilà, j'ai réveillé la fleur en chocolat. On va voir si on gagne, tant mieux, si on perd, tant pis, malheureusement. Voilà, bon, on va se sortir du cafouillis, mais mes pieds sont remplis de chocolat. Encore eu. Ah, j'ai plus d'eau maintenant, je dois me rendre à un coin où il y a de l'eau, direction la mer. Ok, et voilà. Dans l'eau. Et maintenant Z. Et avec maintenant vu que je suis entré dans l'eau, mes jambes, mes pieds surtout sont de redevenus normales. Là, je vais nettoyer aussi, faire du nettoyage proprement. Ok, ça aussi. Voilà, je fais mon passage. On va aller réveiller la fleur encore une dernière fois. J'espère que nous serons surtout à la hauteur de tout ça. Mais ça va pas être évident, je pense. Bon, voilà. Voilà, je suis enfin arrivé. Ça a été long, malheureusement, mais nous sommes bien arrivés à battre la fleur cette fois-ci. Mais le temps nous a pris le temps qu'il fallait. Mais tout ça a été vraiment géré avec une efficacité vraiment propre. Mais c'est toujours des choses qui arrivent, qui nous surprennent, qui.
Voilà, comme maintenant on a un Super Mario, on a un Mario qui doit prendre un autre patch pour aller la chercher. Et nous allons faire une petite bataille avec ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, hop là. Nous allons. Voilà, si je me rappelle bien. En plus, il doit aller sur les toits encore une fois. On va se rendre sur un toit. Déjà, la position, elle n'est pas trop bonne. Voilà. Bon, de ce côté, là, rien. On va plutôt partir du côté là. Non, ils sont restés en bas. Voilà, ils sont restés plutôt en bas pour l'instant. Mais nous allons faire attention quand même. Bon, bah, je me suis pris une gamelle. Nous allons voir du côté de la plage. Là, plutôt par là. Si c'est pas caché de ce côté derrière. Ok, bon, pour l'instant là, toujours rien. Toujours rien de ce côté encore. Ah, elle est là, c'est bon, je viens de la voir. Ah bah elle est partie. Elle était de ce côté-là. Nous nous déplaçons là avec les flèches. Ok. Pour l'instant, là, toujours rien, mais bon. Alors, on va passer de l'autre côté. Là, j'avance. Ici. On a perdu la princesse de vue maintenant. C'est un petit peu embêtant pour la suite. Bon, bah, je vais faire une petite. Pas une coupure vidéo. La vidéo touche à sa fin. On a fait le premier test, surtout du jeu Super Mario Sunshine sur ordinateur Apple, et aussi compatible aussi. C'est la même façon que je vais vous faire montrer très prochainement pour avoir pareil que moi pour jouer à la GameCube, au jeu de GameCube pour être plus clair sur ordinateur PC et Apple. Mais maintenant, c'est le temps de se quitter sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Si vous avez envie de plus de nouveautés, n'hésitez pas à me l'avoir demandé. Voilà, bah, je l'ai trouvé, elle était là. Mon ami. Mais on va le laisser filer, vu que la vidéo va toucher à sa fin. Mais encore une fois, surtout, merci à tous de m'avoir suivi. M'avoir suivi. On va arriver, excusez-moi, j'ai un petit peu articulé mal fort. Mais encore une fois, n'hésitez pas à faire un petit peu de soutien sur la chaîne YouTube et tout ça sera rendu en temps et en heure. Et j'espère de vous retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Ciao à tous, bye!